Bonjour, bienvenue à la capsule TNI numéro 51, donc le Smart Lab dans Notebook 17, tour d'horizon des différentes activités. Je vous présente Reliez-les. Donc, voici le rendu de Reliez-les. Alors, il s'agit de faire des couples, dans le fond, de différentes notions. Alors, ici, je l'ai fait avec des mesures. Alors, je pourrais avoir 0,4, je mets sur la première fleur, et j'aurai ici 40 cm qui vont ensemble. Donc, ça viendrait faire une première association. J'aurai ici 4 mètres qui iraient avec 40 décimètres, deuxième association, etc. Donc, voilà. Maintenant, pour faire cette activité, tout simple aussi. Smart Lab d'abord, reliez-les ensuite. Alors voici. Et un peu comme dans le super tri de tantôt, il s'agit de faire des catégories d'un côté et de l'autre. Et je pourrais avoir aussi des images. Donc je pourrais avoir d'un côté du texte, carotte et pomme. Et de l'autre côté, d'aller chercher les images associées. Donc ici, j'irai chercher mon dossier d'images. Image pratique, Smart Lab. Alors, le premier, c'était carotte et ensuite, le deuxième, c'était pomme. Alors, voilà. Et maintenant, je pourrais faire suivant, choisir le visuel de mon choix. Donc, ici, je vais aller pour les dragons, terminer. Et maintenant, mon activité est prête à être utilisée. Je pouvais aussi, en tout temps, je peux revenir sur l'édition de l'activité, donc par le crayon ici. Ça me permet de revenir dans le menu. Puis, je suis allée quand même vite sur le fait que est-ce que les réponses doivent être vérifiées instantanément ou uniquement lorsque l'utilisateur a terminé. Donc, voilà. Ici, suivant. Et maintenant, Pomme viendrait ici et j'irai chercher l'image associée, puis mon couple se formerait. Dans Notebook 15, nous avions cette activité. Par contre, elle ne se faisait qu'au tableau. Maintenant, je vous rappelle qu'avec le petit compte de mobilité ici, il y a moyen d'envoyer cette activité-là sur les postes des élèves, soit les portables ou les tablettes.